Bonjour à tous, c'est Riyad Zero, on se retrouve pour un nouveau gameplay, donc encore une fois, de Super Meat Boy, sur le quatrième monde, The Hell, donc l'enfer, hein, pour ceux qui sont mauvais en anglais, il y en a. Donc toujours le même principe dans le jeu, on est toujours le même bonhomme de viande, ça a pas changé. On essaie toujours de sauver la princesse de jambon. Ce qui change, change. Ce qui ne change pas. Et ici, ça change pas. Donc, juste nouveauté dans ce monde. Il y a de la lave, bien sûr. Sinon, ça pourrait pas être l'enfer, ce serait pas drôle. Donc, on est dans des niveaux souterrains, on voit le graphisme. Derrière, on voit une sorte de caverne un peu partout. Ça montre bien qu'on est en souterrain. Donc, il y a des nouveaux principes dans le niveau, comme là vous voyez bien qu'il y a la lave qui nous monte à la gueule, c'est pas trop mal. Hop. Merde, il se fait avoir. Donc là il y a les boules de lave qui sortent, c'est un peu bizarre, donc je vais attendre que celle-là retombe. Hop. Donc il y a les plateformes, ça c'est à partir du deuxième monde qu'elles apparaissent, donc ça c'est pas une nouveauté. Toujours les mêmes scies rotatives, ça a pas changé. Tout va bien. Par contre, la musique est particulièrement classe. C'est un truc de dingue, j'adore. Merde, je me suis fait avoir. Allez. Oh, c'était magnifique. Donc, je l'ai sûrement dit, mais ce jeu est un des jeux les plus chiants et les plus durs à finir qui existent. Mais si jamais vous voulez vraiment du très chiant et bien plus dur encore, il vous faut Super Kaizo World. Non, Kaizo Mario World, qui est en fait un hack de Super Mario World sur SNES. Donc il se joue sur émulateur et tout. Donc le mec, il a... On est toujours Mario, c'est toujours la même chose. Sauf que les niveaux sont hyper galères. Que dès le premier, en fait, il y a 5 missiles qui nous arrivent sur la gueule et il faut utiliser le saut rotatif, donc on tourne sur nous-mêmes en sautant et en faisant droite-gauche pour pouvoir éviter les missiles. Et voilà, donc aussi nouveau truc dans ce monde, c'est les téléporteurs. Donc là, on en a un aperçu, c'est un petit niveau qui nous montre et là, on voit vraiment le principe. Voilà. Donc, ah oui, encore une nouveauté. Oui, il y en a pas mal, hein, quand même, dans ce niveau. Enfin, dans ce monde. C'est les lasers, donc, qui nous suivent et faut aller assez vite. Donc là, toujours les blocs qui se désagrègent. Les clés. En combinant un peu tout, on arrive à faire des trucs bien chiants. Très galère, mais bon. Ah oui, encore un truc nouveau, c'est les... je sais pas trop comment appeler ça, c'est des monstres qui nous poursuivent bien en plus quoi. Et après, dès qu'ils s'écrasent, et bah il y a des mini-monstres en gros qui vont tout droit vers nous. Voilà. Donc là on combine les téléporteurs et les boules de feu qui vont dans les téléporteurs, c'est bien la merde. Hop. C'est juste un coup de main à prendre. Par contre là ce niveau est très chiant parce que vous voyez la plateforme qui descend, elle descend lentement. Et pendant ce temps là il faut éviter le monstre à chaque fois. Donc c'est un peu galère. Là j'ai eu du bol hein, franchement. Merde. Alors comme je fais une vidéo, le jeu lag un petit peu, donc la plateforme est partie trop tôt. Mais bon, je vais rester là à attendre. Voilà, je prends la plateforme. Là, c'est un niveau assez marrant avec plein de téléporteurs et tout. Hop. Magie. Donc là, toujours le principe de la lave qui monte, sauf qu'elle monte pas jusqu'à nous, sinon ce serait un peu con quand même. Donc il faut juste attendre qu'elle descende, puis se dépêcher pour
pas qu'elle nous remonte vite à la gueule. Donc là, le laser, pareil, il faut faire le tour pour prendre la clé. Et après, passer. Et là, encore une fois, on se retrouve avec les monstres qui nous arrivent à la gueule. Donc, on arrive au boss. Alors, comme je l'ai dit, le chargement est un peu long. Hein. Ça arrive des fois quand on filme. Please!